Minje à l'école. À 17 ans, il se trouve que je suis allée faire la cantine à Pauillac. Après, la cantinière de Firbé est partie à la retraite, je suis venue remplacer la cantinière de Firbé. Voilà, et ça de 62 jusqu'en 65, voilà. Et j'avais ma cuisinière à bois ici, que j'allumais tous les matins, où je faisais tout, la soupe, les rôtis, les ragoûts, tout. Je faisais la soupe, et puis le plat qui allait derrière, et puis un petit dessert après, c'est tout. J'ai fait la cantine ici 4 ans, j'ai toujours fait la même chose. Voilà. Alors le lundi, c'était la soupe, évidemment la soupe de taille. Les enfants apportaient les tailles le matin, ils mettaient dans la soupière. Et puis après, le lundi, donc, c'était de la purée avec du rôti de veau. Et en dessert, une cuillerée ou deux de confiture. Moi, je ne servais jamais de fruits à mon époque. Les légumes, c'était les parents qui les portaient. Alors j'avais toujours un stock de poireaux. C'était toutes les semaines, je crois, qu'ils portaient des... Chacun leur tour, les parents. F. Il n'y a pas école, non hein? Non, non, il n'y a pas école. Et à qui? Qui est en train de travailler, le petit portant, ok? Qui est le petit portant, en train de travailler? À qui? Et moi, je viens, je vous ai un choupeau, dis-le quand il veut aller. Et puis après, quand je vous ai le caniveau, on a permis de purer que l'instituteur me l'a fait au minze, de force. Eh bien, disons. Eh bien, j'en prie, qu'on fait moins de 50 ans qu'on n'avait pas venu de Calpichou. Ouais. C'est notre cantina, qui. Tu t'en rappelles? Oui, la cuisinière, era qui? La cuisinière, era qui? La cantinière, à Couta. Oui. Et la terre, tout le monde. Eh bien, bon. Et nous en avons à qui? Il y a une grande table, qui, mais il vit. Oui. Voilà, et la porte. Et à qui il y a la porte qui est dans l'air, dit le. Profite. Dit l'école. La porte, l'ousseille, on passe un fusain dessus. Ah oui? Et alors, quand on fait cuire la pompirée, farcidée, coche, un turbo, l'orchopote. Comme il y a une femme. Voilà.